car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Oui, il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Oui, déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Oui, déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai. Je célébrerai l'Éternel, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Psaume 27, les versets 5 et 6. À mes auditeurs de partout, que la grâce et la paix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, vous soient multipliées. Nous, by bon Dieu gloire, matin, nous contents parce que les fait nos grâces, nous réveiller. Et frères et sœurs, c'est un grand privilège à chaque fois que nous avons possibilité pour nous dormir, nous lever en bien. C'est pour nous dire bon Dieu merci, infiniment merci. Je vous dis, c'est frères et sœurs, mercredi 21 février 2024. Le Seigneur fait nous grâce, nous ensemble pour la prière du matin et nous remercier d'une façon spéciale tout le monde qui contribuait, qui aidait pour que tout émissionnaire ça capable possible pour l'année 2024 là. Merci beaucoup, nous préparons pour nous déplacer, que le Seigneur fait route avec vous, que le Seigneur béni nous davantage et nous espérons que ou même qui t'a fait promesse. Mais situation ou pas te permettre que ou honorer promesse que bon Dieu bon moyen bon possibilité prochaine fois ou capable participer avec nous et ou même qui pas de gain qui pas de gain moyen eh bien on a prié pour bon Dieu mettre nos mains parce que c'est une grande bénédiction le travail bon Dieu a fait ou même on mettait main ça fait que le Seigneur voulait monde qui mettait main il était fidèle parce que il dit quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Quiconque, qui que vous soyez. Donc, de pouvoir te mettre tes mains au travail, bon Dieu, pas fait bac. Puis, go fait bac, c'est continuer pousser pour aller. Et puis, devant, puis, go fait bac. Même si il y a une situation qui a venu pour décourager ou pour faire ou fait bac. Mais toujours prendre courage, toujours fortifier ou pour pas faire bac notre travail bon Dieu. Luc chapitre 9 verset 62. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Donc cette personne n'est pas propre pour le royaume de Dieu. L'elfine mette main la charrue et puis il virait regarder derrière. La Bible dit monde ça pas propre pour royaume bon Dieu. Dis bon Dieu merci parce que jusqu'à présent moi même avec vous nous propre pour royaume bon Dieu parce que nous kembé là. Et grand pile situation qui t'est venu pour te porter nous aller oui frères et sœurs mais bon Dieu kembé mais nous mais oui c'est ça qui fait nous serviteurs bon Dieu toujours c'est ça qui fait que nous c'est servant bon Dieu toujours hein. Son gros grâce, bon Dieu fait non, malgré attaque ennemie, mais nous debout toujours et nous continuons à avancer. Parce que l'écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon ne pas fait bac dans bon Dieu. Non, mon ne pas fait bac dans bon Dieu, frères et sœurs, c'est exploit qu'on fait. C'est avancer ou avancer. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est exploit que nous avons fait. Psaume 60, verset 12. Et ceci n'a fait exploit à tous les niveaux. Spirituellement d'abord, n'a fait exploit. C'est-à-dire, n'a pas avancé dans bon Dieu. La foi n'a pas augmenté. Crainte n'a pas augmenté dans bon Dieu. Puissance, onction
a augmenté dans nous, c'est-à-dire n'a fait exploit dans bon Dieu, exploit spirituel yo. Et frères et sœurs, c'est belle bagaille, le royaume monde gade bon Dieu fait exploit avec lui et puis lui-même lui fait exploit dans bon Dieu. Et généralement bon Dieu contient ce que nous fait exploit dans lui d'abord, après ça pour lui fait exploit avec nous. C'est-à-dire bon Dieu veut nous progresser dans lui spirituellement, nous grandir dans la foi, après ça lui-même il pourra le faire route ensemble avec nous. Non pas moi c'est frère serviteur Bigot Luxonnaire qui avec vous chaque matin, c'est pasteur l'église de Dieu sanctifié d'Haïti. Donc bon Dieu fait nous grâce nous ensemble chaque matin et sous Chanel ça qui relait frère Bigot Luxonnaire. Donc chaque matin nous gain possibilité pour nous réveiller pour la prière du matin. Réveillons l'autre ami matin, dit que nous commencer avec la prière du matin, classe là commencer. Rete seulement 7 jours pour mois février a fini et nous devons crier bénisère et bénisère. Jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Jusqu'ici vrais et sœurs, il a continué porter nos secours parce que sans secours qui ça nous capable faire. Nous pas qu'à faire rien nous pas qu'à faire. Donc piga ou fin mettez main on a travail bon Dieu, mettez main on a charruant pour virer garder derrière non. De pour te gantan recevoir Jésus-Christ comme sauveur et tout, quel que soit sac vini, pas fait bac. Auteur a chanté, il dit comme ça, moun ki kite ou, yo souffri péri sans rémission. Et c'est pas menti frères et sœurs, quel que soit moun ki kite bon Dieu, quel que soit moun qui abandonné cous là bon ça, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, c'est pas bien, on vient bien. Non, on pas vient bien. Pourquoi j'aime des monde qui quitte bon Dieu pour vient bien? Ça pas existé. Sou on monde pas bien la caille bon Dieu, pas rien côté encore dans monde là, ou bien pas rien qui satisfait. Rien pas remplir vide yo. Apôtre Paul dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, nous pas parmi si là yo qui pour tirer corps yo pour pète yo parce que monde qui retire corps la caille bon Dieu mon sa yo c'est monde qui perdu mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 10 verset 39 malgré que frères et sœurs en pile monde eh bien on connaît épître aux Hébreux jusqu'à présent. Yo poko konnen ki serviteur ki te ekri exactement la Bible ba révélé auteur a men tout théologien yo attribué à l'apôtre Paul. C'est ça qui fait que moi même moi dit au serviteur Paul dans Hébreux chapitre 10 verset 39 et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. C'est ça qui fait que quel que soit ça ou traverser dans vie ou puis go regarder derrière pas fait bac ou devant continuer à avancer malgré chemin des fois les difficiles malgré que gain ça ou rencontrer qui envie faire casser tête tourner. Donc on est l'important matin pour qu'embe ferme la caille bon Dieu pour pas décourager pour pas baisser les bras. Hébreux chapitre 10 frères et sœurs, versets 38 et 39 ans. Et mon juste vivra par la foi. Le juste de Dieu doit vivre par la foi. Alléluia, le juste de Dieu, par la foi. Tout ce qu'on fait naître, c'est par la foi qu'on fait lit. Par la foi qu'on fait lit. Et frères et sœurs, souvent, il est difficile pour nous mener une vie par la foi. Alors, une vie par la foi ne veut pas dire une vie sans planification, frères et sœurs. Une vie sans projet. Non, c'est pas ça. Parce que un pile monde confond négligence, médiocrité, comprend manque de responsabilité avec une vie par la foi. Gain bagage, c'est pas par la foi, non. Ça, c'est désordre que mon en fait. La foi, frères et sœurs, c'est lorsque toute planification nous est faite. Mais l'en gade temps, nous la pluie bral tombe. Mais par la foi, bon Dieu dit non, eh bien c'est pour nous mettre radio dehors.
Donc nous pas avoir peur la pluie qui va tomber parce que la foi nous dans bon Dieu parler avec nous, nous gain la foi dans parole bon Dieu. C'est même gens en Haïti actuellement, tout le monde qui a regardé pays avec les yeux naturels et ou pas ouais avenir, ou pas ouais sorti pour pays parce que haïtien vinn pi méchant. Haïtien pa gen bon sens yo sou yo, y a kidnappé yon lot, y a fait ensemble de bagay drôl nan peyi an, donc moun ap tue moun. Donc ou est que haïtien vinn pa même conscient que haïtien pareil li, c'est frè li, donc nou tout se même peuple noyé, nou sou un seul bout de terre. Donc ça vinn fait que un pile moun di mais non, mentalité peuple haïtien an, Yo pa ka comprendre ni. N'importe ça la régler, c'est craser, briser, mettre du feu, bouler machines, croiser machines dans la rue, c'est piller magasin, c'est craser maquette, c'est tirer roche sur hôtel. Ce qu'on comprend, c'est affrontement. Bagage ça yo, les regardez bien, yo dit mais non, est-ce que nous réfléchis bien? Donc tout le monde peur, tout le monde incertain sur l'avenir du pays. Mais nous qui avons la foi, oui, dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous connaissons que le Seigneur nous fera voir sa gloire dans ce pays. Il nous fera voir, frères et sœurs, sa gloire dans ce pays. Il sera avec nous, il nous protégera. Il nous fera voir sa gloire dans ce pays. Oui, il le fera pour nous un jour. C'est la foi, nous, bon Dieu. La foi nous dans mon Dieu, que autant de fois que nous avons vu le malheur, autant de fois que nous avons été humiliés, il nous fera voir sa gloire, il nous consolera. Ça nous gagne la foi la dernière. Bon Dieu va visiter nous-mêmes, peuple haïtien. Oui, pour le fait de nous, frères et sœurs, une nation heureuse, une nation prospère, une nation, oui, que toute l'autre nation va respecter. Dans le passé, frères et sœurs, nous étions une très grande nation. Donc ça n'a pas dit là, c'est pas pareil qui impossible, non. Non, il y a un pays qui est passé par des situations qui pi mal que nous. Je dis que ces pays prospères, des pays qui ont vécu la guerre, des pays qui ont connu des attentats terroristes et des pays qui ont été détruits par la guerre, la violence. Mais je ne le dis à yo prend conscience, il dit mais non, nous sommes frères, c'est à nous de construire notre pays, c'est à nous de construire notre avenir. Et puis s'entendre à yo mettre tête ensemble. Donc nous gagne le Rwanda, c'est un pays que un pile l'autre pays félicité parce que il était connaît un moment très difficile, génocide qui était fait au Rwanda dans les années 1993-94. Côté que, eh bien, pile monde, à peu près 1 million de personnes t'es mouri. Et nous-mêmes, haïtiens, nous tellement, frères et sœurs, connaissons sa violence cabaye, nous pas entrer dans la guerre civile. Malgré un pile condition réunies pour que nous capables de faire guerre civile dans le pays, ça, l'obtenir des discours des hommes à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, capables d'inciter monde à la violence. Capacité mon à la violence, à la destruction, à mettre le feu, à brûler le pays. Donc c'est très dur. Et généralement, ces hommes qui parlent ainsi, frères et sœurs, petit, yo pas vivre dans le pays. Madame, yo pas vivre dans le pays. Les trois petits biens yo gen dans le pays, pas représenter rien comparativement à ça yo gen dans le pays étranger. Et des fois, yo gen deux passeports dans la poche yo. Le grand côté pour y aller, mais moi-même avec vous, qui va grand côté pour nous aller, c'est Haïti pour nous. Et même si nous allons côté, nous pas besoin de sentir une bien que la caille nous en Haïti, que la caille nous en Haïti. Nous pas besoin de sentir nos pi bien que la caille nous en Haïti. Donc pour cela, il est important chaque jour, frères et sœurs, pour que nous prions pour pays non et aussi prêcher la réconciliation, l'entente nationale. Et le support nous une l'autre pour nous essayer entendre nous comprendre nous parce que dans le cas contraire n'a fini pas détruire nous une l'autre était ça pas malheur ça capable arriver que l'irrité vide
pour tout le monde qui t'a regardé comme n'a gomé nous n'a tué l'autre nous yo n'a dépayser l'autre. Ça fait que li important pour que nous continuions la prière. Donc nous avons la foi, frères et sœurs, qu'un jour le Seigneur visitera notre cher Haïti. Nous avons cette espérance. Oui, nous savons qu'un jour le Seigneur nous visitera. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 38-39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc matin, nous comptons et nous disons bon Dieu merci. Dans le psaume 27, c'est là nous partager lecture de la parole de Dieu avec vous pour nous te saluer. Pour les amis qui à peine rejoignent nous, donc je dis, ces frères, serviteurs qui avec vous chaque matin à 4h30 du matin, toujours abonnés, toujours invités aux amis pour le capable rejoindre nous sur Chanel ça qui relie frères Bigo Luxonnaire. C'est le nom de la chaîne, c'est ma chaîne personnelle, vérifiez bien pour voir si vous êtes sur la bonne chaîne. Le nom de la chaîne c'est frères Bigo Luxonnaire. Donc attention pour pas prendre et bien une fausse page qui utilise non qui mettait voix non donc qui bagait aucun rapport avec nous-mêmes frères et sœurs. Le psaume 27, amis auditeurs de partout, ou même qui suivent nous, le psaume 27, verset 5, c'est là, nous lisons, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Des fois, frères et sœurs, lorsque les jours de malheur sont venus, les jours d'adversité, les jours de danger, yo vini, frères et sœurs, nous avons toujours tendance à avoir peur. Nous toujours voulons éprouver de la peur. Ah, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on est ou pas qu'on est. C'est la parole de Dieu dit. Parole bon Dieu dit, dans le jour malheur, côté nous campé à l'éternel déplacé nous. Non, pas quitter nous était même côté encore, non. Même si physiquement habité dans le même quartier. Mais au point de vue spirituel, protection spirituelle, bon Dieu, ben non, nous déplacer, nous venons invisibles dans les yeux ennemis nous. Il a cherché nous, il a pas besoin de nous, parce que l'Éternel déplacé nous, le caché nous, qui côté dans son tabernacle. Au jour du malheur, c'est ça, bon Dieu fait, les cachés serviteurs, il le caché servante lui. Lorsqu'un malheur arrive sur la terre, ou au pas victime la donne, c'est parce que bon Dieu te gantan vini le protéger dans tabernacle là. Et on connaît comment bon Dieu protéger nous sans nous pas rendre compte des fois. Des fois le Seigneur mette nous dans tabernacle là, il mette nous dans la prière, nous pas comprendre. Nous un moment spirituel que nous traversé, un moment côté que nous senti pousser pour nous la prière, toutes ces complots n'a crasé. Quelle prière que nous avons fait, ces complots n'a crasé, nous pas connait non. Nous ne savons pas ce qui a passé autour de nous. Nous ne savons pas le poison qu'ils ont mis pour nous. Nous ne savons pas la magie ou la sorcellerie. Seulement, nous sentons poussés pour nous faire veiller de nuit. Ça fait que les gens ne pas négocier quand il faut chercher l'Éternel. Lorsque vous avez envie de chercher Dieu, pas négocier ça, pas négliger ça. David dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Parce que bon Dieu qui dit, eh bien, cherchez face moi, serviteur, cherchez face moi. La prière, fais veille de nuit, fais jeûne à l'église, cherchez face moi dans prière personnelle, ô. Me sentis poussé, me sentis désir en moi. J'avais dit, c'est cœur qui dit ça. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face. Ô Éternel, toujours psaume 27 là, oui, dans verset 8 là, oui. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Gloire à Dieu. Toujours psaume 27. Verset 5 là même dit non, car il me protégera dans son tabernacle. Comment il protéger nous dans son tabernacle? Eh bien, dans l'église, dans les noms, frères et sœurs, au jour du malheur, ce tabernacle, c'est un tabernacle spirituel. C'est notre cœur spirituel.
lorsque nous avons une intimité avec le Seigneur, lorsque nous avons l'habitude de chercher Dieu, de prier le Seigneur, notre communion avec le Seigneur, notre vie spirituelle, notre relation avec le Seigneur peut être considérée comme un tabernacle dans lequel le Seigneur nous cache. Gampil nan nou ki kache de la prière, mais nous pas comprendre ça. Et pourtant, c'est caché, bon Dieu, caché nous. Alors qu'on pense que c'est problème nan qu'il faut la prière, mais parce qu'on a un problème nan, c'est parce que ça a vini, li a la mer, li faut souffrir. Et pourtant, c'est le Seigneur qui vous cache dans son tabernacle. Il vous cache dans son tabernacle parce que gampil malheur autour de vous. Gampil malheur, gampil piège qui tend autour de vous, qu'on est à bon Dieu pour le faire la prière, les créer une situation, les conduire dans le désert, les conduire dans la chambre haute, et pour la prière. Ça, c'est surtout nous-mêmes qui rebelles, qui est difficile pour nous connaître les bons dieux mandés nous pour nous chercher facile. Parce que gampil monde qui rebelle, malgré bon Dieu parler avec eux, ils n'ont pas qu'attendre. Il n'y a pas qu'à comprendre que c'est bon Dieu qui a parlé avec vous. Donc le Seigneur est obligé de placer dans une situation. Et maintenant, cette situation pour le faire la prière. Pour le faire chercher bon Dieu. Il prend la prière avec l'âme aux yeux. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, bon Dieu, les protéger nous. Les protéger nous dans la prière. C'est ça qui fait que là où on a un problème, et pour sentir en haut, pour chercher bon Dieu. Pour la prière, un problème qui mène en la caille, bon Dieu, un problème qui mène en tourner la présence, bon Dieu, devant le trône de Dieu, un problème qui me trouve éveillé de nuit, un problème qui me trouve jeûner, un problème qui me trouve la prière avec l'âme, c'est un bienfait de l'Éternel. Souvent, nous prions, nous disons, bon Dieu, séchez de l'eau dans les yeux, moi. Seigneur, pas quitter me crier encore. Et pourtant, des fois, bon Dieu, son tabernacle, que le construit pour nous protéger contre les malheurs autour de nous. Contre on gâte sa yo, malfecte sa yo, autour de nous, que nous pas même capables qu'on ait yo. Donc le Seigneur nous protège le jour du malheur dans son tabernacle. Donc, c'est pas un tabernacle physique, frères et sœurs, non. C'est pour un tabernacle physique. David, serviteur bon Dieu, dans Psaume 27 là, il te fait expérience là, il te comprend lorsque la caille bon Dieu, il protégé de tout danger. Gen moun ki pa konnen secret ça. À chaque fois que ou allez nos activités spirituelles, kap nourri nan mon, gon protection qui couvre ou. Gon protection que recevoir. Si c'est pas comme ça, pour qui ça gen tout découragement ça yo? Lord, où est aller l'église? Lord, où est aller chercher bon Dieu? Comment fait corps lourd comme ça? Lord, où est fait veille de nuit? Lord, où est la prière? Ouais, comment lourd? C'est parce que gampil bénédiction dans ça. C'est caché ou caché. Et même des fois, ennemi en connivé, li bo attaque là. Li découragé ou li fait un monde parler les d'avant, li font monde parler mal avant pour pas tourner encore. Tout ça, c'est parce que le connaît. À quel point vous êtes protégé dans le tabernacle de Dieu par ses prières. Par ses prières, à quel point vous êtes protégé par ces chants que vous entonnez. Hein? Lorsque vous entonnez ce chant, ou protégé. Chant ça à couvrir. Parce que l'on a entonné, chant ça, bon grâce, bon couverture descend sur. Oh, mon couverture, alléluia, qui couvre, oh, l'homme chanté, il est un roc séculaire de Dieu pour mon cœur lassé. L'homme chanté, hein, sans Jésus, moi pas qu'à vivre, moi pas qu'à faire un seul pas. Toute peur, il a commencé à aller, toute crainte, il a commencé à aller. Parce que, au confessé, au dit rien, pas rien pour me craindre, puisque Sauveur m'a veillé, m'a suivi, lui. Sans moi, pas jambes pleines. Les papes qui témoignent. Maintenant, l'oué, où doit aller dans la présence de mon Dieu, c'est couverture qu'a fait pour Timonio. C'est couverture qu'a fait pour Faméon. C'est couverture qu'a fait. C'est couvrir ou couvrir en bassin. Se cacher ou cacher davantage.
Au jour du malheur, il me protégera dans son tabernacle. C'est-à-dire, dans la prière, bon Dieu va protéger moi, dans le service, la protéger, la cacher moi. Le service au fin de participer la dernière, écoutez, qu'on protection spéciale qu'on recevoir. Alléluia. Et ça fait des fois qu'on voit un bagage qui manquait rivo. Il était là pour le rivo. Mais qu'on protection sous. Qu'on protection sous. Donc David, dans le psaume 27 là, il parlait avec bon Dieu. Et frères et sœurs, on est, David était attaché aussi avec le temple de Dieu. Il était attaché avec la maison de l'Éternel. Puisqu'on a une initiative là, t'es sorti de l'Ito. Donc, il était remis le temple de l'Éternel. Et puis, le dit comme ça, dans verset 27 là, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? C'est vite bon Dieu, pas qu'on peut mon nom. C'est vite bon Dieu, pas qu'on peut mon. Et il toujours aimé dire ça, de pouvoir distrait devant mon Dieu. De pour quand tu as genou devant bon Dieu pas quitter à genou devant l'homme encore. Non, l'Éternel pas quitter à genou devant l'homme. Parce qu'à genou devant le déjà, tête baissée devant le déjà. Ça fait tout ça qui dépend de haut pour genou toujours fléchi devant bon Dieu. Pour qu'arrêter debout devant les hommes. Pour qu'arrêter debout devant les hommes. Fait tout ça qui dépend de haut pour tête baissée devant bon Dieu. Alléluia. Peut-être au cas levé, oui, peut-être au cas levé chaque jour devant les hommes dans le monde ça. Maintenant, pas qu'on qui monde, peut-être au baissé devant le monde, peut-être au grand monde qui met toi à genoux devant lui, tellement l'humilié. Pas qu'on est non, mais qu'on bagaille pour faire. Mets toi à genoux devant mon Dieu, baisse tête devant mon Dieu, ou va ouais, comment le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Saint d'Israël les montrer au grand de lui. Matin, pas qu'on soit traversé dans vie. Matin, pas qu'on difficulté ou yo. Mais, seul bagaille pour faire. À genoux yo devant mon Dieu. C'est des pour quand à genoux devant mon Dieu. Pas qu'un problème qui met toi à genoux encore. Pas qu'une difficulté qui met toi à genoux encore. Nous pas empêcher yo vini. Mais, bon Dieu, fais nous grâce. Nous traverser yo. Frères et sœurs, les bagages ne sont pas traversés ou pas découvrir la grandeur de Dieu. Ou pas connaître qui bon Dieu a servi. Ou pas connaître qui laisse qu'au coin. Les enfants d'Israël rendent témoignage ça que nous souvent partagés avec eux. Ils disent comme ça, tu nous as fait passer par le feu. Tu nous as fait passer par le feu. Tu nous as fait passer. Bon Dieu, oui. Qui était ça arrivé, oui, frères et sœurs. Les fait ou passer par le feu et les fait des hommes monter sous tête yo. Des hommes monter sous tête yo. Après toute bagaille ça yo, c'est pour que le Seigneur te capable ba yo abondance. Le Seigneur fait ou passer par le feu. Yo pas de comprendre ça non. Le Seigneur t'a fait ou passer par le feu. Yo pensez c'est la guerre l'Éternel de la guerre, c'est fini. Bon Dieu t'es fini avec yo, mais non. Bon Dieu pas de fini avec yo. L'Éternel pas de fini avec yo. Psaume 66, verset 10. Tu nous as fait passer au creuset et nous fait nous passer par le feu. Et après c'est pour que nous te cabanon abondance. Et bagay si yo pas fini pour yo apprendre, on mette genou à terre devant bon Dieu. Pour baisser tête ou dans la prière, pour qu'on ait, c'est bon Dieu seulement gagné, et c'est lui seul qui peut jamais laguer ou pas comprendre. Tu nous as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Psaume 66, verset 12. Tu nous as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Mais oui,
ouais chemin au passé, ouais route tu fais pour guérison, parce que bon Dieu t'apprend à le faire vivre dans l'abondance. Même des hommes ont dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Et des fois on montre tout à qu'on capette en bas pied li. Et bon Dieu qui a fait travail li. Bon Dieu qui a fait travail li. Rete en silence. Il faut tourner capette. Yon jour la besoin pour l'or. Yon jour la besoin comme diamant. Et là ça c'est dans vitrine ni va garder oh. Seul bagaille prend tout avec courage parce que dans la vie chaque monde bon moment difficile pour qu'on ait. À chaque fois ou atteignons l'âge d'un vie où les gagnent épreuves, les qui viennent avec les, surtout l'âge de maturité. Yo. Et ça fait que, puis quand les gens mettent au problème, l'horreur, difficulté, yo, d'un coup, yo tout paraît sourd. La vie est faite de problèmes et de difficultés. Et aussi, les solutions sont toujours là. Le Seigneur a toujours fait nous s'en sortir. L'Éternel a mis nous dehors. Toujours qu'on est ça. Mais pas plein devant problèmes, difficultés, parce que un jour va comprendre que c'était pour votre bien, comme il est écrit, comme il est écrit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas facile de vivre avec les difficultés de la vie. C'est pas facile, frères et sœurs, d'endurer les épreuves de la vie. C'est pas facile. Mais il fait nous venir plus fort. Il fait nous découvrir grandeur bon Dieu noir. Il fait nous découvrir que bon Dieu noir puis vivant encore que Jean nous te croit là. Ça il fait nous prendre dimension à bon Dieu. Et notez bien frères et sœurs, lorsque le malheur vini sous chemin nous, qu'on est bon Dieu prêt pour le protéger nous. Qu'on est ça. Pas peur. Piga ou peur. Parce que les bagailles qui vini même, c'est pour faire cœur sauter. Maintenant, c'est pour prendre le dessus. C'est pour prendre le dessus. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Bakon Boukies, non matin, bon Dieu voyait texte ça encore. Son texte nous parlait de lui plusieurs fois déjà. Mais matin, bon monde, bon Dieu voulait dire, prend courage dans ce traversé. Prend courage dans ce vivre là. Prend courage. Prend courage. Lutter pour demain. Conserver, résister. Pour un mois prochain, année prochaine. Oui, faut ça cap vini. Après tout bagay sa yo, tout gros vent sa yo, faut ça cap vini après. Du courage matin, fortifié au matin. Qu'on place pour matin, pour que yo capable à l'abri de toutes ces choses, malgré yo là, mais yo pas agi sous santé yo. Et ou connaît l'homme. Il est facile pour un événement pour te l'aller. L'homme peut problème, l'homme peut difficulté. Et nous là, stress rache tout cheveux dans la tête nous. Parce que nous avons traversé un moment de stress qui est très difficile. Et nous là, nous sommes diabétiques, nous hypertendus. Parce que nous avons géré un moment de stress qui est très difficile pour nous. Nous avons géré un moment de peur qui est très difficile pour nous. Vous avez là en pile maladie quand vous apparaît dans le corps nous. Et gen moun sou bagay ou pa ka comprendre, gen moun koul gon problème, problème nan manifesté sou pòl, li manifesté en bas yeux li. Y a des séries de bagay ouè k'ap produit en bas yeux, hein, ouè kòl, gen des séries de gratel k'ap vini, bouton k'ap levé sou pòl li. Série to rete pou wè cheveux nan tèt li ap tombé. Alors ouè sa problème k'ap fè moun? Mais qu'on seul bagaille pour tout le monde toujours fait. L'on a un problème, chercher présence bon Dieu. Il n'est pas facile parce que le doute quand envahi ou problème tellement fort, l'ennemi a fort pensé
qui sort à jeune de la prière, tant date mon a prié, yo pas jamais jeune résultat. Mais pas ou même, d'un cœur sincère, à l'écoute bon Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Faut qu'on aille écouter lui. Et on va saisir pour voir comment bon Dieu a force dans mes temps problème non. Il faut endurer problème non et lui permettre que vous s'en sortiez. Maintenant, prends courage ou à demain pour continuer à avancer, pour continuer à camper. Parce que parole bon Dieu dit, si tu faiblis le jour de ta détresse, ta force ne sera que détresse. Pas faibli dans le jour côté où en détresse yo que mes femmes. Donc David, frères et sœurs, c'est pas sujet nous ce matin. David dans Psaume 27. Serviteur David dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler, alléluia, sa magnificence, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Lorsque le danger vient sur le chemin, non, pas qu'on est bon Dieu à quitter nous pour porter nous aller. Pour yon fini avec nous, pour yon fait tête nous partie pour nous fou, non. L'Éternel a caché nous dans ta tabernacle, l'a couvri nous dans ta tabernacle, l'a fait un chemin pour nous, l'a fait une route pour nous. Il nous protégera dans son tabernacle. Il nous protégera. Quand vous êtes matin, bon Dieu a protégé au quand vous êtes matin. Pas fait cœur sauter, même si tout espoir semblait fini. Bon protection spéciale, non, mais bon Dieu. Ah oui, ou gon protection spéciale nan men bon Dieu. Li bon oui pour moun servi bon Dieu. Nan malheur ou pour importance servi bon Dieu. Le malheur vini ou pour importance servi bon Dieu. Kapi lan non, si c'est pas bon Dieu qui protège nous, nous pas appeler encore non. Le malheur qui te vini dans quartier non, dans zone non. Le malheur qui te vini sous nous en chemin. Accident terrible, petite nous t'es fait. C'est parce que l'écrit, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Au jour du malheur, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Les protégés, non, pour ne pas mourir. Dans le jour malheur, dans le jour difficile, il le protéger, non. Il dit, sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Il m'élèvera sur un rocher. Puis go plein un matin parce que c'est sur un rocher ou camper. Y a pas qu'à faire rien. Pas peur un matin ou protéger dans tabernacle là et limito camper sur un rocher. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Dans l'abri de sa tente. Ouais jusqu'au côté là le caché non. Qui ça méchant yo ka fort. Il n'y a pas qu'à faire rien, non. L'Éternel vous cachera sous l'abri de sa tente. Sous l'abri de sa tente. Il vous élèvera sur un rocher. Il vous élèvera sur un rocher. La météo campé sous gros roche là. Qui ça y a qu'à faire, il n'y a pas qu'à faire rien. Vague y a capable de venir, mais c'est dans la roche là y a frappé. C'est dans la roche là y a frappé. Vague yo ap vini, gros vague la mer ap frappé dans roche là. Et c'est là où même ou campé. Papa était au problème parce que ou seul, généralement moun bon Dieu a protégé, ou toujours gon sentiment de solitude. Ou toujours gon sentiment de solitude. Oui, ou toujours senti ou seul, ou toujours les peurs. Et pourtant, le Seigneur vous protège. C'est ça qui fait que li dit dans parole li. Il m'élèvera sur un rocher. Imaginez-vous, frères et sœurs, au campé sur un roche,
ou pour contre, pas nous deux, pas nous trois, ou pour contre, on a toujours un sentiment de solitude là. Il me lèvera sur un rocher. Les mettem campé sous roche là, et puis les cachem sous l'abri de sa tente. Les cachem la kaeli, oui. Comme ça veut dire, les hommes qui cachent la kaeli, c'est-à-dire, côté peut-être où tu penses en sécurité, les déplacer, et puis la cacher, la kaeli. La belle bagaille lorsque le Seigneur nous cache, frères et sœurs, sous l'abri de sa tente. La kaeli, oui, il cache nous là. C'est-à-dire, pour yon ta prendre non, pour yon ta joindre non, pour yon ta faire ça yon vle avec non, faudrait-il que d'abord yon ta rentre et prend le Seigneur, côté le Seigneur yé. Mais ce qui est impossible, ce qui est très difficile, yon pas capable. Non, yon pas capable prendre le Seigneur. Et puisque yon pas capable prendre le Seigneur, côté yé, nous-mêmes également yon pas capable prendre nous. Non, yon pas capable prendre nous. Yon ka longe men yon, yon ka essayer, mais nous cacher. Nous cacher. Nous passons dans le temps yo chaque jour, nous vivons dans le temps yo, nous mangeons dans la main yo, mais yo pas prendre nous non parce que nous sommes cachés sous l'abri de sa tente, sous l'abri de sa tente. Bah connait au même matin qui sont traversé dans vie qui menace que yo faire matin songer qui côté caché. Dans jour malheur là, ou même qu'à vivre un moment très difficile dans vie ou songer qui côté caché. Ou caché sous l'abri de sa tente. Yo pa ka fè rien. C'est ça qui fait que koto caché a, c'est tête ou ka pleuvé. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Bon Dieu observe ya, c'est là le caché o. C'est là li caché o. Et des fois, moun ka persécuté ou yo, moun ka essayé de détruire la vie ou yo, le Seigneur dit, moun sa yo, eh bien, yo gen langue pour yo attaquer ou, yo gen langue pour yo attaquer ou, mais l'Éternel a bon victoire sou yo. Bon Dieu a caché ou contre kout langue. Et c'est une gros protection, bon Dieu, ba nou, frères et sœurs, les bon Dieu caché nous contre kout langue, les hommes. C'est qu'un coup de langue l'homme fait saut. Si bon Dieu pas couvrir en bas manteau de grâce li, c'est problème, oui. La parole de Dieu dit, frères et sœurs, dans Psaume 31 verset 20, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, et tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Contre les langues qui les attaquent. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Les hommes ont persécuté eux, où est tout ça le faire pas pour toi aller. Et caché, oui. L'Éternel caché, oui. L'Éternel qui caché, l'orgue et patience pour endurer, pour supporter ça en monde faire. C'est en l'air caché. Mon n'en connaît ça le faire là, la blesser eux. Li faire li pour le faire crier même. Li faire li pour le mettre de l'eau dans les yeux même. Li faire li pour le faire souffrir. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. La parole de Dieu dit non. Il protège nous sous l'abri de sa face. Sous l'abri de sa face. Contre ceux qui nous persécutent, il nous protège sous l'abri de sa face. En bas, Dieu li protège nous. En bas, Dieu lui il protège nous. Pour ne pas finir avec nous. Attends, on pas pour compte, tout en deux. Non, on pas pour compte. On pas pour compte. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Quand des fois dans vie où c'est langue monde qui attaque. L'aime d'une langue attaque là, c'est pas petit bagaille petit non. Connaît que c'est des attaques. Les paroles au monde dit sous dos sont attaques que liées. Sont attaques. C'est avec langue ni la patake yo. Et menti au monde fait sous dos la patake yo avec langue ni. Et langue l'homme son gros coup de pelier. Oui. Langue l'homme. Si l'homme bon coup de langue dans le travail ça. Bon Dieu oui qui vous sauve, qui vous guérit.
Donc le Seigneur reconnaît les gens, c'est avec langue qu'ils attaquent les gens. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Les langues qui les attaquent. Alors là où tout le monde a parlé de haut, là où tout le monde a parlé d'un causé haut, ce sont des langues qui vous attaquent. Des langues qui vous attaquent. Là où tout côté non cité mal, et accusé haut, pas même fait ça vrai. Il dit c'est eux qui fait li. Donc c'est des langues qui attaquent eux, des langues qui vous attaquent. Et faut qu'on assez intelligent pour qu'on ait pour chercher caché dans la présence de Dieu. C'est là l'homme a pas attaqué avec langue, sont pas caché la caille bon Dieu. Oh, il a fini avoir langue l'homme oui. Et ça fait que la parole de Dieu dit depuis où c'est langue attaquer al condamner dans la prière. Al condamner dans la prière, pas une blague. Parce que l'homme n'a pas ta quoi avec langue ni frésisseur et pas jouette petit non, et pas petit jouette non. L'homme on travaille puis gon monde qui attaquer avec langue ni coute langue. Dans même l'église avec monde là, l'a fait coute langue. Et gen monde malheureusement pour yo si yo pas corriger bouche a prêté tout l'ouvrir langue a prêté pendre dans bouche parce que yo bay trop moun coute langue langue n'a sorti dans bouche yo on monde c'est vrai corps pour langue pas en épée pour langue et ces bagay haïtien fait pi bien coute langue même sou fait bien on lève l'utiliser langue ni pour l'attaquer oh donc matin sous son monde il n'y a pas attaqué avec langue. Eh bien, connaît la parole de Dieu dit, dans Isaïe chapitre 54 là, il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Depuis, c'est langue qui n'a pas attaqué, c'est pour condamner le, c'est pour condamner lui. Eh oui, c'est pour condamner langue ça, c'est pour condamner lui. Ça fait vous-même, puis go jam qui te langon non attaque moun non pas qui te langon ou attaque moun non pas qui te langon ou attaque moun non veille langon la bible dit langlan son ti organe que lié mais frères et sœurs fait gros dégâts frères et sœurs li fait gros dégâts. Il fait gros dégâts, langue du monde, langue. Donc, du monde, malheureusement, l'anglais, c'est un couteau lié. Son couteau, il a une langue à spik. Il a piqué mon avec langue. Donc, du monde, maintenant, vie, frères et sœurs, c'est attaque, coute langue, pour se voir, coute langue. Mais ça, c'est pour chercher un côté pour cacher la caille, bon Dieu. Et seulement là, on a besoin de protection. Là seulement on a besoin de protection. Il dit tu les protèges dans la tente, dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Qui langue qui attaque au matin? Qui langue qui attaque? C'est pas crier pour crier non. C'est elle condamner langue ça devant mon Dieu. Et frères et sœurs, parole bon Dieu dit nous encore, des fois langue, là où mon n'a pas taco avec langue yo, c'est fléau oui, c'est fléau. Quand j'en perds du poste travail yo, son coup de langue oui, son coup de langue. Même si on te fait un coup de birin, on peut pas perdre du travail yo. Même si on te tire un missile, on peut pas perdre du job yo. Même si on te tire, regardez, m'bah connais, ça y est tiré hein. Il tape impuissant pour faire perdre position. Mais on coûte langue. Ça fait la Bible parler non minimiser coûte langue. Parce que monde dit ah, on n'a pas les m'occuper. Non. Ça pas pour prendre au sérieux son coûte langue ni fait ça. On coûte langue, gros attaque li fait là. Son fléau dans Job chapitre 5 verset 21 parole bon Dieu dit tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation.
Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. De la langue. Ah, vrais et sœurs, la langue mon apatago, c'est pas blague, non? C'est pas blague. Psaume 31, verset 20. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Quand menti au monde fait saut, son coup de langue n'y fait, c'est pour condamner langue ça. Et pas pardon, pas rien, non, c'est pas pitié, pas rien. La Bible dit, parlez au-delà, frères et sœurs, de sa parole, bon Dieu, pas dit non. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, il dit, toute langue qui a pleuvé en justice contre eux-mêmes, c'est pour condamner, pas quitter le continuer, condamner, condamner, condamner. Oh oh, sauf le monde. Pour mon a fait coute langue sou comme ça, pour mon a parlé mal comme ça, quoi c'est bien envers mon, c'est pour langue d'en condamné, c'est pour le condamner. Et pas pardon pas gain non, pas miséricorde pas gain non. Mais la Bible faut connait les attaques de la langue, c'est pas blague. Au monde met attaque avec fouet, avec zam. Mais frères et sœurs, attaque avec langue. Oh, et debout tu oui. Et tu es debout, et tu es debout. Donc les attaques de la langue, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est des attaques pour nous prendre très au sérieux. Pas minimiser ça, non. Non. Pas jouer avec ça. Aller dans la prière, pas dire mon nom, pas faire l'explication. Mais, son attaque. Et c'est un coup d'épée. Un coup de langue au monde bas, son coup d'épée, oui. Son coup d'épée. Et c'est bagaille qui est plus facile pour l'homme d'en faire coup de langue, non. Faut un coup de langue. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute langue qui levait en justice contre vous-même, toutes âmes qui achetaient son nom, qui préparaient son nom petit, c'est pour condamner yo. Il y a sans effet, c'est pour condamner langue qui levait contre vous-même en justice. Langue qui a attaqué yo. Dans Job chapitre 5, le Seigneur protégeait mon qui a subi attaque langue. Mon qui a subi attaque. Et langue qui t'a coupé épée glaive. Ils ont la langue, frères et sœurs, t'a coupé glaive, ils blessé. Hein? Langue aiguë, frères et sœurs. La prière, oui, la prière pour bon Dieu protéger contre les mauvaises langues. C'est quand pile monde qui pas réussi non bagage, c'est en bouche qui l'ouvrit. Son bouche, gon langue ka bo ma dit chon, gon bouche ka bo ma dit chon, ma bo ma dit chon, bouche ka bo ma dit chon. Et c'est des bagay moun pa jam ka comprendre non. Frères et sœurs, ki moun ki kite bouche yo pran en direction côté que frères et sœurs yo fait des séries de bagay juste pour que les bouches yo prononce son parole, pour parole l'arrivé, pour yo bay ma dit chon. À la sorcellerie, yo kite bouche yo bay mauvaise odeur. Longtemps, frères et sœurs, bagay sa, c'était à la campagne moun te kontandil. Mais jounen jodi a, y a des séries de secrets, bagay diabolique que yo fait. De pou moun nan bò m'a dit chon parler sou sal parler a, de pou pas serviteur bon Dieu ou pas servant bon Dieu, bouche li bò m'a dit chon, eh bien, sal di a privé. Son attaque li fait contre ou même par sa langue, ils font attaque contre eux-mêmes. Toujours connais ça, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pas jouer avec parole. Yon moun utiliser contre eux-mêmes. C'est pour retourner là. Ça fait frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous-mêmes qui serviteurs bon Dieu, langue pardon, c'est pour nous capables servir bon Dieu. Nous pas là pour nous faire coute langue sur le monde, nous pas là pour nous utiliser langue non tant qu'on épée contre frère nous contre sœur nous. Non,
Langue non, c'est pour nous servir, bon Dieu. Langue non, c'est pour nous glorifier, bon Dieu. Langue non, c'est pour nous bailler, bon Dieu, gloire. C'est pour nous chanter louange, lui. Alors, frères et sœurs, et la parole de Dieu fait nous connaître comment que en pile monde, bouche yo, langue yo, eh bien, c'est langue à pas attaquer monde, bouche yo, à pas attaquer monde. Ça fait que la Bible mande nous pour nous prendre ça très au sérieux. Les hommes ont utilisé langue ni contre nous-mêmes. Les hommes ont attaqué nous avec langue li. Donc la Bible, la parole de Dieu dit non, c'est pour nous condamner. Condamner toute langue qui levait en justice contre nous. En justice contre nous. Oui, c'est pour nous condamner. Yo. Alléluia. Nous n'avons pas peur. Parole que nous tendons. Lorsque on m'a dit mauvaise parole sous notre travail là, quand on y est dans le quartier, dans la zone non, alcôte bon Dieu dans la prière. Alcôte bon Dieu dans la prière. Dans Psaume 35, serviteur à l'écoute bon Dieu dans la prière. Là, il fait prière lui dans verset 21. Et puis il a dit le Seigneur, comme ça, mais comment mon Dieu utilise la langue contre lui-même. Il connaît David qui prend pile coup de langue dans le palais. Lorsque frères et sœurs, c'est lui qui t'a pris le pouvoir, il n'y a pas de blé ou elle, et même dans ta famille, il a pris un coup de langue. Coup de langue. Frères et sœurs, si bon Dieu va protéger contre coup de langue, mon, écoutez, vous ne pouvez pas là encore, non? Et vous ne pouvez pas là encore, non? Vous avez fini avec vous. Vous ne pouvez pas là encore. Mais bon Dieu protège vous. Pile coup de langue, oui? Pile coup de langue, l'Éternel protège vous. Si l'Éternel t'a montré, coup de langue, ça veut dire que sorti. T'as saisi, oui, ça fait que prends précaution avec tout le monde. Prends précaution avec tout le monde. Ou pas connaît. Prends précaution avec tout le monde. Donc, matin, il est important, même Jacques David, dans Psaume 35, là, qui était la prière contre les mauvaises langues, qui était levé contre lui-même pour la prière, bon Dieu, pour dire Seigneur, bouche sa yo qui levé contre moi-même notre travail là. Qui sa wap dit avec yo. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Des épées nues. Veillez, paroles kap soti nan bouche. Moun ki autour de vous. Ma konnen matin, ki sa wap fè face. Ki langue ki leve kont ou même, ki langue ki leve kont pitito. Pa konnen sa yo di de ou ki pa vrai. Ma konnen ki menace ko recevoir. Victor David dit dans Psaume 35, verset 20, ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Quand on y est matin, on a la prière, non? On a la prière, ma konne qui langue qui levé contre nous-mêmes. Qui langue qui levé contre nous-mêmes. Qui langue qui sorti pour détruire petit tôt. Dans Proverbe chapitre 5, verset 4, il dit, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Oui, les lèvres de l'étrangère dissillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mon oué capor belle parole, prends précaution avec lui. La prière pour bon Dieu montre qui laisse lier. La prière pour mon Dieu révèle au face-li. Face-li. Pour mon Dieu montrer au qui laisse lier. Oui, qui laisse lier. Gloire à Dieu. On a la prière dans ma terre. Seigneur, pape quitte tomber dans piège méchant yo. L'Éternel, pape livré au en bas langue yo. Pour yo faire ça yo vle avec yo. Mais il dit, toute langue qui va lever en justice contre vous-même, ou va condamner li. Et attaque avec langue, ou même c'est pour cacher la caille, bon Dieu. Dans Psaume 27, là, il fait protection pour nous spécialement contre les attaques de la langue. Lorsque, frères et sœurs, nous subissons les attaques de la langue des autres, nous sommes à l'abri.
Alléluia, nous sommes à l'abri. Les cachés nous, les cachés nous. Nous sommes 30 ans. Serviteur bon Dieu a dit, le Seigneur cachez nous. Lorsque toute langue a pleuvé contre nous-mêmes, dans le travail, dans l'église là, le Seigneur cachez nous. C'est ça qui fait que toute langue n'a pas pour aller. Ou cacher la caille, bon Dieu. Ou cacher la caille, Seigneur. C'est ça qui fait que les mauvaises langues n'a pas pour aller. Mais quand toute langue on fait sourd, ah, bon Dieu qui vous protège, oui. Bon Dieu qui vous protège. Psaume 31, verset 20, une protection spéciale. Bon Dieu baille, serviteur, il baille servante li, contre tout le monde qui est capable de faire un coup de langue contre lui-même. Maintenant, à nous la prière, li, à nous chercher face bénil. Psaume 31, verset 20. Psaume 31, verset 20. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Malgré tout ça, yo fait toute coute langue yo baille, mais c'est comme si ou nan yon ville qui forte, yon ville qui fortifiée, qui imprenable. C'est là l'Éternel caché. Prions le Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, le rocher de Jacob. Ma konne gilang qui levait contre même, mais quel que soit l'anglié, il te met langue pharaon, parce que gen moun qui parle contre même, c'est bon Dieu seulement qui pour sauver. Bon Dieu seulement pour sauver. Les ennemis de Daniel, ils te parlé contre Daniel, de grand complot qui te fait sous nom Daniel. Et frères et sœurs, complot ça bien préparé, et Daniel tombé, il tombé dans complot. Mais yo pa kapote la li, kout lang nan mache, c'est vrai. Parce que yo jete Daniel dans la fosse au lion. Et kout lang on moun fè, li pense le fini avant, parce que le fò pèt du travail là, parce que le fò révoqué, li comprenne le fini avant, li konnen li gagnen, parce que le fò perdu emploi, li fò perdu crédibilité, réputation, parce que yo mit ou dehors dans travail là, pas là encore. Mais c'est qu'on elle pas connaît. C'est qu'on elle pas connaît. Son route, bon Dieu, pour le faire avec vous. Son route, bon Dieu, pour le faire avec vous. Son route, bon Dieu, pour le faire avec vous. Mais c'est ça. En pile fois, nous connaissons quelques monde qui sont malades, qui souffrent. L'anguille a sorti dans la bouche. Ou bien mon nom, il y a l'anguille qui sorti pour tout faire. Lang ni lou, ou e moun nan des fois le font stroke, lang nan pa ka leve. On moun nan vi sa, pa bat kor, tande. Bouche ou e la, lang sa, bon Dieu ba ou an. C'est pour parler, c'est pour manger, c'est pour prendre saveur. Pa utilise le contre moun. Parce que, wap gade des séries de moun, wap gade des séries de moun, frères et sœurs, qui fait des séries de stroke, lang nan lou nan bouche yo. La justice de Dieu, oui. Lang nan lou nan bouche, lang nan pa ka leve. Et bon Dieu tire vengeance, oui. Lang sa détruit en pile moun. Lang sa fait révoquer en pile moun. Lang sa fait en pile moun rater occasion. Pa konn ou fin planifye on bagay avec un monde bien propre. Et puis nan demain matin, mon nan dit bon, m'change d'avis, oui. On coûte lang, oui. On coûte lang, oui, quand t'as passé. On coûte langue qui passe. On coûte langue. Ça fait que ou pas jouer avec bagay sa yo. Que bagay ou ap régler, c'est pour tout mari toute langue qui ka parler la dani. Toute langue qui a pendu, toute langue qui a flané. Toute langue qui a flané sous la terre. Parce que mon langue yo a flané. Mais oui, qui a flané sous la terre. C'est-à-dire ou parler dans tout dossier, ou parler dans tout bagay. Préserve ta langue du mal. Parce que bon Dieu a jugé langue non. L'a jugé langue non. Hein? Préserve ta langue du mal. Du mal. Préserve ta langue du mal. Le conseil ça la Bible bon dans Psaume 34 verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses.
réserve ta langue du mal. Pas faire mal avec langue, pas faire mon mal avec bouche. Et c'est un bon conseil que la parole de Dieu banoué également dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Sou pa vle fè stroke et ça oui des jours heureux. Ou pa vle fè stroke pour langue ou lou nan bouchou, langue ou pa ka parler. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, pa fè menti sou moun, pa fè menti sou moun. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Ben oui. Pigo fè menti sou moun. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, parce que c'est bien, frères et sœurs, pour un monde aimer la vie, c'est bien pour un monde ou attaché avec la vie, les beautés de la vie, tout et tout, comprendre, c'est belle bagaille. Mais gon précaution pour prendre, pas mettre bouche ou nan fait monde, pas parler dans cause monde. Les bagailles c'est pas langou qui mettre le dehors, c'est pas langou. Et l'homme n'en fond dans ça. Fon nan sal, fon nan kout lang. Fon kout lang de yo la, son kout risoy. Fon kout lang de yo la. Ah, c'est terrible, oui. C'est bagay ki di an pil tou, oui. Lorwe, on moun pou tout ton gen nan l'évangile, et pou pa ka kontrole lang ou. On fè kout lang. C'est bagay ki très dur, très dur. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, pas fait mentir sous monde. Cependant, on bagaille yon moun, dit sous on l'autre, son avertissement, et pas coûte langue ça y est. Ça avertit, yon dit, mais qui l'est souillé, ou son Alexandre le forgeron. Comprenne, son Alexandre le forgeron, yon mette moun en garde contre même, parce que, wap trompe moun, sort douye ou pas savré. Hein? Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Ça, c'est pas coup de langue. C'est pas coup de langue. Non, c'est pas coup de langue. Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal. 2 Timothée, chapitre 4, verset 14. Il va parler au parler Alexandre mal. Parce que mon nan kon di ou non et mon a fait mais si ça fait ou fait le vrai, si ça yo di an ou fait le vrai. Ça c'est pas coute langue non, ça c'est pas parler mal non. Non. Oh oh. Parce que mon kon di ça oui, yo fait mentir sou moi. Bon, ou fait bagarre la vrai. Comment mon fait mentir sou moun? Bon, ou fait le vrai. Yo di mais ça fait, c'est ça fait. Action tellement laide. Moun nan des fois li fait action mais le pa vle ou parler de action parce que action l'aide c'est ou pour pas commettre action sou pas vle moun parler de li gambil nan nou c'est pas parler mal qui sou do nou non c'est ça nous fait ou dit c'est témoignage nous c'est réputation nous. 2 Timothée chapitre 4 verset 14 Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, monsieur, pas qu'à passer pour bon monde. On propose les bon monde, comprends? Il fait serviteur pour l'on paquet de mal. Paquet de mal. Et monsieur fait serviteur pour l'on paquet de mal. Donc, rapporter ça au monde fait, et ça fait que tout ça dit d'un au monde. Ne pourra pas qu'à dire le vent. Frères et sœurs, pas dit l'air li. Mais de pour ouem, ka dit l'air, ka dit le vent. C'est ça le chrétien. C'est ça la servante de Dieu. Ou ka vin di yon parole pou di, pas dit ça non, oh mon antipotay. Non, sou pa vle m pa dit ça, sou pa vle m rele moun nan. Ok, ke baga ou moun di ou son mise en garde, ke le barou. Ou mise en garde pou di ou pren précaution, fais attention avec tel moun, parce que mais ça m'apprend, mais ça me connaît. Donc c'est bien, j'apporte Paul Fell pour Timothée là, il dit Timothée, prends précaution avec Alexandre le forgeron,
parce que monsieur fait un pile mal, monsieur pas sort comprendre. Garde-toi aussi de lui. De Timothée chapitre 4, verset 14-15. Cependant, frères et sœurs, et le forgeron Alexandre Paca, quand il vous dit non, c'est pas vrai, comprenez, parce qu'il fait ça vrai, il fait le vrai. Donc là, ouais, ou dit on bagaille de au monde, les serviteurs Paul pas dit ça en cachette, non, jusqu'à ce que Alexandre mourisse, Alexandre lit deuxième épître de Paul à Timothée, là pour un non l'écrit la dernière, hein, même famille Alexandre le forgeron, il a prouvé que, ou bien petit, il a prouvé que c'était un homme qui te fait mal. Donc, c'est ça chrétien, oui. Au dernier jour, Alexandre le forgeron, nous tous connaissons l'histoire, parce qu'il te fait apôtre Paul mal. Nous tous connaissons l'histoire, Judas qui te trahit le Seigneur. Donc, ensemble de bagages, c'est pas avilissement, oui, mais c'est mise en garde contre mon nom. Contre mon nom, c'est mise en garde qu'on mettait. Ce qu'on comprend, haïtien, regardez, le maître a fait toute bagaille, mais pas dix monde qui laisse lier. Comprenez, caché pour lui. Non, pas gain ça. Donc, automatiquement, ou fait mal, c'est mal, il a dit qu'on fait. Si tu fais bien tout, il a dit son bon monde qu'on y est. Donc, c'est ça. Alors, souvent, il y a des gens qui comprennent de ça, qui dit qu'il a parlé le mal, mais non, c'est pas parlé le mal. Il a dit, mais sans faire, marcher, parler tout de côté. C'est vous-même qui pouvez choisir faire le bien. Mais, frères et sœurs, il y a des gens, malheureusement, sont victimes réellement en parlant de monde. C'est de monde ça on a parlé. De monde que vous faites mentir sous dos. De monde que vous crasez avec l'angle. Quand vous êtes demoiselle là, remet avec un petit jeune homme là, qui prend le fond bagaille pour lui. Et puis, il y a un raïssab dans la famille. Il y a une cousine qui parle de elle. Et bien, cousine dans les ménages là. Et puis, gâté bagay la. Comprenez ni gâté bagay la. Il dit toute qualité causée. C'est terrible, oui. Frères et sœurs, terrible haïtien, oui. Et pas lik nan place la. Kade l'utilise l'angne pour le craser. Et pourtant, l'oué on moun ap joué en privilège. C'est moment pour parler bien de lui. Lorsque c'est un bon monde culte yé. Sou pas ka dit du bien de lui, pas dit du mal. Mandou la prière matin. Mande bon Dieu pour le bon justice. Ou même que langue moun grasé, ou même matin langue moun a attaqué, ou même yo fait menace, ou même yo fait petite aux menaces. Langue sa yo clever en justice contre ou même, langue sa yo kap parlé de haut, kap sal nom, kap sal réputation, kap sal nom petite. Langue sa yo mette frein la dan yo. Madame mette frein la dan yo, mon frère mette frein la dan yo. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Le Seigneur protège, mais le bon pouvoir aussi pour condamner. Ou yo condamné. Et bientôt, on va attendre sa crive. Manou la prière. Seigneur, bon Dieu, papa nous, qui remet nous en pile, qui a pouvoir, autorité dans le ciel, la sous terre. Ou même qui commande tout univers, yorele ou le grand Dieu créateur de l'univers, rien pas impossible pour vous. Nous bénissons, nous exaltons, nous levons bien haut, parce que dans compassion, miséricorde, dans grâce, pensez avec nous, longez main sous nous, ou aidez nous, bon Dieu, dans temps difficile, dans temps d'adversité, ben nous le bras, ou sauvez nous de la détresse. Ou aidez-nous dans moment qui difficile yo, ou sauvez-nous dans moment côté nous pas capable yo, dans moment Seigneur nous gagne de l'eau dans yeux, dans moment n'a crier, dans moment qui vraiment difficile pour nous yo, bon Dieu longe main sur nous, ou ben nous force, ou ben nous courage, ou ben nous détermination. C'est vous même qui délivrez nous, c'est vous même qui sauvez nous lorsque toute bagaille sorti pour anéantir nous. Lorsque toute bagaille, l'Éternel, notre Dieu, sortit pour effondrer nous, c'est vous-même qui venez avec bras puissants, qui levez nous, qui mettez une campé sous roche là. Merci, parce que bon Dieu, les reprotéger nous toujours comprendre nous seuls, et pourtant, c'est qu'on vous place nous, c'est qu'on vous cache nous. Les amis nous, pas qu'à ouer nous, pour vous parler avec nous vraiment. Les amis nous, pas qu'à porter le bras ben nous. Famille nous yo pas ka ban nou le bras
parce que c'est au cacher nous la caillou mon parole nos bon Dieu. Mais c'est pas oublier nos vrai. Non Seigneur, c'est pas la gué non, mais c'est au même qui cacher nous la caillou pour que mauvais vent ça parler avec nous, parler avec petite non. Merci parce que on protéger nous, on protéger famille nous bon Dieu, ti moun nou yo dans l'école yo dans pays côté yo yé. Ou voyez yeux sous yo l'Éternel notre Dieu afin que les attaques de l'ennemi contre yo même capable sans effet. Merci matin pour accompagnement on va ban non pour façon on va guider nous pour façon on va mener nous dans le droit chemin. Merci matin l'Éternel notre Dieu parce que nous cacher en battant droit nous cacher sous roche côté placé nous matin nous pas gagne mot pour nous exprimer reconnaissance non pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as accompli pour nous. Merci l'Éternel, notre Dieu, parce que dans les temps difficiles, dans les temps de désespoir, l'Éternel, tu as été toujours là pour nous. Tu nous as donné la force, le courage. Merci l'Éternel, notre Dieu, parce que vous fortifiez nous contre les attaques de l'ennemi. Oui, l'Éternel, notre Dieu, vous combattez pour nous dans les temps méchants, vous bataillez pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui fait nous là toujours. En pile coup de langue, bon Dieu, t'es sorti pour anéantir ses ventes. En pile coup de langue, bon Dieu, t'es fait contre nous-mêmes pour ne pas arriver dans le pays site, bon Dieu, pour t'écraser mariage, nous, bon Dieu. Mais Seigneur, t'es campé pour nous. Ou défends-nous. Oui, l'Éternel, ou défends-nous contre les langues méchantes des hommes. Ou combat pour nous, Seigneur, les nous devons tomber. Lever ou kembe men nou ou soutenir nou Seigneur merci en pile Dieu d'amour merci en pile parce que c'est ou même qui baille la vie c'est ou même qui délivre tout bon vrai gade n'ap vive toujours gade n'ap respirer toujours gade comment bon Dieu malgré ça yo dit malgré ça yo fait malgré tout ça yo utilisé contre nous bon Dieu ou qui tes serviteurs là en vie toujours ou qui te servant ou en vie toujours. Oui, nous rive, oui, bon Dieu. Yo te din, pap jamayen. Yo te din, pap rive. Yo te di, l'Éternel, notre Dieu. Nous pap jamayen. Yo te utilise mauvais propos contre nous. Seigneur, ou fel pour nous vrai. Oui, l'Éternel, ou fel pour nous. Sa bouche, mon te di, contre nous même, bon Dieu. Yo pas rive nous, non. Mais c'est ça ou te prononcé sous la vie, nous, hein. Ces prophéties ont été faites, plein de bonheur ont été faites. C'est lui qui rive, merci en pile. Nous bénissons, nous exaltons, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, de compassion. Continuez avec nous, continuez préserver nous des malheurs. Continuez bénir l'Éternel, tout ça n'a pas fait. Continuez dans nos grâces nécessaires pour que nous soyons capables de river dans la dimension qu'on voulait nous river. Bénis journée ça pour nous, t'en prie. Pas oublier pays nous Haïti. Pas oublier nous-mêmes qui pral sorti matin, mon nous pral rencontrer matin, côté nous pral rentrer dans bureau, côté nous pral aller. Seigneur, accompagner nous t'en prie. Béni journée ça pour petite nous yo. Béni journée ça pour famille nous. Béni journée ça l'Éternel pour chacun de nous. Seigneur, pendant matinée ça, on va voir une bonne nouvelle pour nous. Béni nous en abondance pour la gloire de ton Saint-Nom. Encore une fois, pas oublier notre cher Haïti. Que ce soit le temps favorable. L'Éternel, notre Dieu, les méchants dans ce pays, ces hommes, bon Dieu, qui prêchent la violence, la destruction, le feu dans le pays. Seigneur, que ce soit le temps favorable pour capable, Seigneur l'Éternel, notre Dieu, corriger Bouchio, amener à la repentance, Seigneur Dieu, en façon pour que soit capable de connaître l'Éternel, notre Dieu. Langue yo capable de détruire une nation, langue yo capable de détruire un pays, Seigneur, langue yo capable de détruire la vie de beaucoup de gens. Seigneur, c'est là où il y a un micro dans bouche yo, c'est là où qu'a parlé Seigneur à la radio ou à la télévision, sur les réseaux sociaux, prends contrôle langue yo, prends contrôle bouche yo, bon Dieu, pas quitter langue yo mettez un problème, pas quitter bouche yo mettez un problème. Parce que vous dites non, Seigneur, si un monde voulait ou la beauté de la vie, si un monde voulait vivre longtemps, que le préserver l'anglais du mal. Préserver l'anglais, non, l'Éternel, notre Dieu, du mal. Oui, préserver l'anglais, non, du mal, l'Éternel, notre Dieu.
préserver langue non du mal. Fais-nous grâce, purifier, sanctifier bouche non. L'Éternel, purifier, sanctifier bouche non. Enlever les paroles mauvaises, enlever les paroles méchantes de notre bouche. Et ainsi, Seigneur, les paroles qui servent à communiquer une grâce à ceux qui les entendent. L'Éternel, notre Dieu, les capables de bénédiction pour eux. Oui, bon Dieu, dis-nous dans la parole, ô Père, qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, les paroles qui servent à communiquer, oui, l'Éternel, une grâce. Les paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, l'Éternel, notre Dieu, à ceux qui les entendent, ces paroles qui communiquent, l'Éternel, de la grâce, ces paroles, mon Dieu, qui communiquent la grâce, Seigneur. Mettez bonnes paroles sur bouche, non. Mettez bonnes paroles dans cœur, non. Mettez bonnes paroles, l'Éternel, notre Dieu. Oui, sous non, non, dans le pays d'Haïti, dans le monde entier, dans le quartier côté habité, Seigneur, que les langues qui levaient contre nous-mêmes, bon Dieu, dans la communauté côté nous y est, le travail là, que ces langues qui détruisent nous, Seigneur, que vous condamnez dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces langues qui détruisent nos enfants, que ces langues qui détruisent nos petits-enfants, que ces langues, l'Éternel, qui levaient contre nous-mêmes, notre travail là, Seigneur, que vous condamnez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que langue ça vous levé contre le pays d'Haïti, l'Éternel, notre Dieu, que vous condamnez, que langue qui empêchait le pays en joindre sale besoin, Seigneur, que vous condamnez dans le nom puissant de Jésus-Christ, les mauvaises langues, les langues méchantes, les langues, l'Éternel, notre Dieu, qui a détruit, que vous condamnez les langues qui a parlé la mort sous serviteurs, sous servantes, les langues qui a planifié la mort. Les langues qui ont dit chant, les langues qui ont sale réputation, servantes, qui ont sale réputation, serviteurs, que vous condamnez dans le nom puissant de Jésus-Christ, que vous condamnez dans le nom puissant de Jésus-Christ, que vous condamnez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ainsi, notre langue, l'Éternel, publiera tes louanges, ta grandeur, tes bienfaits, tes hauts faits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Béni pays, nous, Haïti. L'Éternel, notre Dieu, nos rivières, nos sources d'eau, oui, bénis-le pour nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Et pourtant, des îles, c'est fouillé.
puissant.